Bienvenue à tous sur le nouveau tutoriel MacPlanet.com. Donc, on est toujours à la découverte de macOS Sequoia qui sortira cet automne 2024. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de découvrir au fur et à mesure les nouveautés. Donc là, je vais vous montrer le nouvel écran de veille dynamique. Donc, il s'appelle Macintosh. Et c'est un hommage aux anciens écrans de veille des premiers Mac. Donc des premiers Mac des années 80, 70, voilà. Réglage système. Donc pomme, réglage système, bien sûr. On va sous fond d'écran. Par défaut, le nouveau fond d'écran, c'est le fond d'écran macOS Sequoia. Donc en mode clair ou en mode sombre, ça vous l'avez déjà vu. J'ai même mis sur MacPlanet les liens de téléchargement direct des fonds d'écran, pour ceux que ça intéresse, en attendant la sortie officielle de Sequoia. Et là, vous avez le nouvel écran dynamique, donc Macintosh. Alors, à quoi il ressemble? On va regarder ensemble. On fait un petit aperçu. Voilà. Donc, on va diminuer. Donc, vous voyez un petit peu, c'est pixelisé. Et on peut le mettre en mode clair ou en mode sombre. Voilà, regardez en dessous. Clair ou sombre. Donc ça, il y a toujours la possibilité. Clair ou sombre. Oui, il va se lancer. Sympa aussi, en mode sombre. En mode automatique. Choisir les couleurs. Ben, le spectre, ben, ça va être les couleurs tournantes. Aléatoire, ben, ça ne sera jamais la même couleur au démarrage. Ça, vous avez compris, j'imagine. Et l'accentuation. Alors, accent. Voilà. Puis après, il y a tout le cycle des couleurs à choisir en fonction de ses goûts. Voilà. Rouge, bleu, puis le classique, le gris, ainsi que le gris foncé. Voilà. Très sympa, regardez en fait. Voilà. C'est vraiment très sympa. C'est un peu gadget, mais moi j'aime bien, c'est pas trop mal. Voilà, donc les nouveaux fonds d'écran. macOS. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Ben voilà, donc, ouais, ça fonctionne sur tous les espaces. Si vous avez une gestion de bureau avec plusieurs espaces, vous pouvez activer plusieurs fenêtres et avoir le fond d'écran sur plusieurs espaces. D'accord? Ou avoir un écran de veille différent sur chaque espace, ça on le savait déjà. Et voilà, ouais, ben c'est ça, globalement. Bon, ben j'espère que c'est... Bon, c'est un petit peu léger, mais c'est pas trop mal, c'est la découverte hein, de Sequoia. C'est pas trop mal quand même à voir et à découvrir. Bien sûr, après, il y a toujours tout un tas de fonds d'écran qui sont là à choisir. Merci à vous, bonne journée.